Jackie, vous croyez qu'il faut coucher pour réussir? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, monsieur. Mais pourquoi? Mais parce que demain, ils se marient, monsieur. Arrête, arrête. Ne me touche pas. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Je ne peux plus, plus supporter avec une autre te partager. D'ailleurs, demain, tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités. Mon grand défaut, c'est de t'aimer. Ne me touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi. Dès que tes mains se posent sur moi, je suis prête à subir ta loi. Mais tu as préféré les grands honneurs à la place de notre bonheur. Et pour gaver tes ambitions, tu as détruit mes illusions. Je sais, tu m'aimes encore. L'orgueil pour toi est le plus fort. Il a vaincu le grand amour. Pour garantir tes vieux jours, il faut nous quitter sans remords. Tu es le maître. Laisse-moi, laisse-moi te féliciter. Demain tu vas te marier. Chez elle, tu auras le confort. Chez moi, tu jouais avec mon corps. Chez elle, tu vas te distinguer. Chez moi, tu venais te griser. Ce soir, c'est la dernière fois. Je te parle et je te vois. Puisque, puisque c'est elle qui aura ton nom. Ce soir, ce soir. Moi je te dis non. 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 Alors Patricia Carli, bonsoir. Bonsoir. Alors c'était en quelle année cette chanson? 63. Cette chanson qui s'appelle en fait « Demain tu te maries » et que tout le monde appelle « Arrête, arrête, ne me touche pas » parce que finalement le refrain est devenu plus célèbre que le couplet, non? C'est ça, oui. Hein? Qui l'a écrite cette chanson? Moi. Sa création s'est passée comment? Tu l'as écrite dans quelles circonstances? C'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, voilà. Hein? Voilà, hein? Exactement. Tu étais amoureuse d'un type. Voilà. Sa femme était en vacances. Voilà, et il m'avait dit qu'il était séparé de sa femme et patati patata, et qu'elle allait rentrer de vacances. Mmh. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai eu l'angoisse le soir. Tu ne voulais pas briser un couple? Je ne voulais pas. Je disais, bon, mais je vais laisser tomber qu'il reste avec sa femme. Et, et le soir, je me suis mis à pleurer dans ma chambre. Et tu as écrit ça? J'ai pris la guitare et j'ai sorti ça. Alors, en fait, ton vrai nom, ce n'est pas du tout Patricia Carli. Non. C'est Rosetta Ardito. 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 Alors, t'as pris Patricia, pourquoi? C'était la mode où on avait des noms plus snob, plus chic. Ouais. Et Carli, ça vient de Carline, et c'était un héros de feuilleton quand t'étais petite. Que lisait ma maman, et moi, en cachette d'elle, quand elle n'était pas là, j'essayais de lire ses feuilletons, et c'était le héros, le playboy, qui s'appelait Carlini, et je rêvais devant ce monsieur. Et j'ai dit, si je deviens un jour une grande vedette, je m'appellerai Carlini comme lui. Voilà. Et Maurice t'a dit, on s'arrêtera à Carli. Non. Non. C'est que je l'ai rencontré après quand j'étais célèbre en Italie. Ouais. Bon, j'ai rien contre, attention. Il était homo, on me l'a présenté, on voulait à tout prix le voir. Moi, j'étais amoureuse folle de lui. Et puis malheureusement. J'étais très déçue. Ah oui, j'étais très déçue. Alors, tu es la fille d'un immigré italien qui était mineur en Belgique. Oui. Et dès ton plus jeune âge, tu voulais chanter. C'était ton truc. Oui, c'était pas vraiment moi. C'est quand j'étais petite fille en Italie, j'avais 4 ans.
On m'avait fait chanter dans une église en petit ange, déjà, ouais. L'Ave Maria devant les autres petits anges. Alors après, tu as fait des quantités d'auditions. Oui, tu t'es fait un je suis venue à Paris. Tu t'es fait un peu jeter de partout, tu es venue à Paris. Et c'est vrai que tu as fait 2 ans de la vaisselle pour bouffer quand tu es arrivée à Paris. Ah oui. Tu la faisais où la vaisselle, Patricia? Dans un restaurant à Clichy. Ouais. Où je gagnais 15 francs par jour, je payais 900 francs d'hôtel, ouais. Et il me restait 6 francs pour bouffer, mais je mangeais parce que ouais. Dans le restaurant, ouais. Je mangeais quand même. Ouais. Jusqu'au jour, alors comment ça s'est passé? J'avais été prévue dans 2 éditions et on m'avait dit dans un mois on vous fait un contrat, puis une autre m'a dit dans 15 jours, et puis dans une édition, on a fait venir quelqu'un de chez Barclay, ouais. Qui lui m'a dit demain je vous signe le contrat. Alors moi, je croyais qu'à cette époque-là, quand on signait des contrats, on avait des sous. Mmh. Alors, je dis oui, j'arrive en courant. J'ai signé le contrat, puis j'ai attendu que les vacances se passent. Et à la rentrée, on m'a enregistré. Alors, tu avais quel âge à l'époque? 17. Alors après, tu as fait des tournées, tu as fait des voyages. Beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Partout. Et puis, tu as eu des problèmes avec ton mec parce qu'il était jaloux de toi, c'est ça, non? C'est-à-dire qu'il voulait que... Écoute, tu sais, un homme ou une femme, on essaye de l'éblouir et d'être toujours quelqu'un pour les éblouir. Donc, il fallait que je sois une vedette parce qu'il s'occupait d'autres artistes. Ouais. Alors, je voulais être bien et forte et une grande vedette pour lui. Ouais. Et puis, quand j'étais trop vedette, ça l'ennuyait parce que c'était trop. Ouais. Et un beau jour, il m'a dit, bon, mais t'arrêtes maintenant, ça suffit, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'à un moment, il voulait que tu aies du succès, puis après, il trouvait que tu en avais trop. J'en avais trop, voilà. Alors, c'était un peu compliqué. C'était compliqué, comme j'étais très très amoureuse de lui, j'ai arrêté, j'ai dit je peux pas rester comme ça, faut que j'écrive au moins pour il t'a dit autres. Ou c'est toi ou c'est moi? Oui. C'est dur ça quand même, non? Ouais, ouais. Tu l'as vécu comment ça? À ce moment-là, j'ai eu une grosse déception, puis je me suis dit en faisant des chansons, je vais quand même pouvoir faire ce métier, parce que moi ce qui comptait c'est de... Je chantais quand je faisais mes maquettes pour les autres, donc je pouvais encore chanter en cachette des autres, mais... Alors là, tu t'es mis à écrire pour les autres. Ouais. Hein, et là, tu as écrit des trucs fantastiques. Tu as écrit au Lady Mary pour David Alexandre Winter. Alors, tu as écrit aussi des chansons pour Mireille Mathieu, par exemple. Tu as écrit Pardonne-moi ce caprice d'enfant, qui a très très bien marché. Ouais. Tu faisais ça comme ça, toute seule, parole et musique, avec ta guitare chez toi. Oui, oui, c'est l'instinct. Ouais. Mais j'en fais pas beaucoup, attention. Oui. Enfin, parce c'est que... fort quand même. Tu as un vrai don, tu as un vrai talent. Oui, bah, oui, mais j'y peux rien. C'est mes parents qui ont fait ça. Ça s'en vient tout seul. Pas toujours, pas souvent, mais quand ça me vient, ça me vient. Tu as écrit pour Claude François. Oui. Hein? Et tu as écrit La tendresse pour Daniel Guichard, quand même une chanson énorme. Personne ne sait que c'est toi qui as fait ça. Oh, ça fait rire. Là, maintenant, tout le monde va le savoir. Et puis là, c'est la merde à ce moment-là. Ça commence à mal tourner. Ouais, avec là, ton Jules, on ne peut pas dire que ça s'arrange vraiment. Non. Hein? Non. Tu divorces, tu perds ta mère à ce moment-là. Mon chien. Ton chien. Qui avait 16 ans, ma mère. Ouais. Et j'ai eu ce cancer idiot en plus. Dans 2 mois de temps. Sombre époque. Ah ouais, dur, ouais, dur. Dur, surtout quand on se retrouve tout seul. Ouais. Et là, tu dégringoles, quoi. Oh oui, complètement. Je savais plus, je m'en sortais plus. Et donc, je me suis obligée, après, à rechanter dans des discothèques et compagnie, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Ben parce que comme j'étais restée... ce qui m'a fait grand plaisir, mais j'étais malade et c'était très difficile. Là, tu tentes un comeback à un moment, c'est en 79. Oui, oui. Avec une chanson qui s'appelait « L'homme sur la plage », ça marche pas mal. Ouais, ça marche même très bien parce que j'étais, après les Bee Gees, la deuxième bande Polydor. J'étais vachement fière. Ah ouais, j'étais fière. Et là, tu retombes malade encore, tu rechutes quoi. Ouais. Ouais, bon. Et après, il a fallu continuer la vie. Ouais. Tu as été obligée de tout arrêter pour te soigner à ce moment-là. Oui, je suis partie, je suis venue dans... Ah oui, alors tu vends ta maison, tu achètes un appartement au soleil. C'est là que tu t'es installée au Cap d'Aille. Oui. Tu as quoi là-bas, un appartement? Oui, j'ai un petit appartement très modeste. Ouais. Mais tu as retrouvé le sud un peu, oui. Comme tu es d'origine italienne, tu as un peu retrouvé tes racines, quoi. Oui, puis j'adore mon Monaco, Monte Carlo, j'adore les princes, je rêve devant eux. Ah. Et je suis juste à la frontière, j'ai leur château devant. Moi, je rêve tout le temps. Alors, et j'adore ce coin-là, c'est vrai que c'est formidable. Alors dis-moi, tu l'as vécu comment, au fond, ce changement de situation? C'est-à-dire de passer d'une... Finalement, tu étais star, tu étais connue. Et puis d'un seul coup, bah, tu te retrouves au Cap d'Aille, dans ton appartement, là-bas, tu vas faire tes courses le matin. Les gens ne te reconnaissent pas obligatoirement. Tu l'as vécu comment? Non, c'est pas ça qui gêne, vraiment. C'est de se sentir abandonné de tout le monde. Moi, j'ai reçu tout Paris chez moi. Tout le monde voulait venir. J'ai aidé des tas de chanteurs, auteurs, compositeurs. Mais c'est pas que je voulais l'appareil. C'est que dans un moment comme ça, on a envie d'entendre quelqu'un qui vous réponde, qui dit « Ah, t'as mal à la tête, prends un cachet d'aspirine, ça fait du bien ».
Ouais. J'avais plus ma mère pour l'appeler. Ouais. Parce qu'avant, je me refoulais sur ma mère. Alors maman faisait, mais t'as mal, ma chérie, prends tes aspirines, ça ira mieux. Pourquoi, à ton avis, tu es jamais devenue une énorme star? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quelle a été la chose qui a fait que tu es jamais devenue une énorme star, comme a pu être Mireille Mathieu, comme a pu être d'autres gens? Eh bien, c'était mon mari. Donc en fait, c'est l'amour qui t'a fait réussir, et c'est l'amour qui t'a fait échouer. J'ai réussi pour lui, et c'est lui qui m'a fait échouer. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.